La soirée se poursuit avec le groupe 79 de l'Aftral I2N Arras. Avec Louis, Jean-Claude, Thibault, Logan, Thomas et Alexia, ils préparent un CAP conducteur routier de marchandises. Leur relais est Yannick Delavoine. Ils sont mis en scène par Francky Defonte. Le titre de leur scénette, on ne naît pas routière, on le devient. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais dans tous les cas, le convoi exceptionnel, c'est pas fait pour elle. Dans tous les cas, le convoi exceptionnel, c'est pas fait pour elle. Bonjour, chérie, ça va? Ça va et toi? Hey, attends, je te rappelle. Je suis trop contente. Dis-moi. Je suis officiellement routière. Bah, félicitations, bravo. Bah, merci, j'ai eu tous mes permis. Et du coup, tu vas pouvoir faire des trajets en petite camionnette. Ah non, je vais faire du convoi exceptionnel, hein. Ah bon, pourquoi? Bah, car je suis une femme exceptionnelle. Oui, certes, tu es peut-être une femme exceptionnelle, mais le convoi, c'est pas fait pour toi. Ah bon, pourquoi? Bah, tu es une femme et c'est un peu dangereux. Mais tu sais, j'ai eu mon CAP du premier coup comme toi. Ah oui, mais en CAP, t'as quelqu'un à côté de toi qui a les pédales. Mais faut bien une première fois à tout, n'est-ce pas, chérie? Oui, mais quand on aura des enfants? Bah, quand on veut, on peut. Et c'est toi, toi, celle-là? Ça va pas du tout? Moi, j'ai jamais vu aucune femme réussir dans le convoi exceptionnel. Déjà, la route, c'est pas pour les filles. Mais ça se voit partout, toi, sur ton trou, hein! Moi, on a déjà eu du mal, alors toi? Moi, quoi? Ah oui, c'est vrai, les gars! Et toi? Comment ça, il faut? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Dis-moi. Tu viens d'où, toi? Ah, du public! Ah ouais? Nous, ça fait plus de 10 ans, nous, qu'on fait ce métier-là. On a déjà eu du mal à basculer notre cabine, faire le transport. Exceptionnel, c'est une femme exceptionnelle. Ça ne marche pas comme ça, toi, reste à ta place. Ah oui, je vois. Chacun sa place, c'est ça. Toi, tu restes à sa place, lui reste à sa place, eux, ils restent à sa place, et c'est très bien comme ça. Ouais, donc en fait, tout le monde reste à sa place, et c'est très bien comme ça, c'est mais ça. C'est des conneries machistes, tout ça. Moi, je suis née pour ça, et la route m'appelle. Oui, c'est des conneries sexistes, tout ça. La route l'appelle, alors stop la querelle, les gars, car c'est une femme exceptionnelle. Et comme disait Simone, on ne naît pas routière, mais on le devient. Ah non, mais attends, dis-moi, pourquoi elle veut faire routière, elle? Vous savez pourquoi? Parce que madame veut passer dans les rênes de la route. Attention, madame veut passer dans les rênes de la route. Inscris-toi plutôt à Top Chef, hein. On est en 2024, les loulous. Et puis, le permis C, c'est le permis poids lourd, pas poids lourd 2. Arrête, c'est toi qui es lourd. Mais le permis CE, c'est quoi? C'est le permis super lourd. Et toi, t'as le permis super relou. Oh, c'est quoi tous ces clichés sur le métier? Une femme peut très bien conduire comme un homme. On est tous égaux et chacune vaut chacun. Non, le masculin l'emporte toujours sur le féminin, le garçon sur la fille, le routier sur la routière. Et ta connerie l'emporte sur ton intelligence, c'est ça? Et toi, pourquoi tu la défends? Elle est routière, ta mère? Non, elle est infirmière et elle pique ta mère avec un P et non avec un N. Oh les gars, arrêtez de vous battre. Dans tous les cas, le convoi, c'est pas fait pour les femmes, c'est trop physique. Mais t'es sérieux, toi, là? Eh, t'as pas vu comment elle est gaulée? Faut dire un sprat. Un quoi? Un sprat. Un souris. Une mandole. Un tout petit poisson, quoi. Mais t'es aussi sécrale que moi, toi. Mais vous avez pas vu comment il est gaulé comme une mouche, celui-ci? Une saucisse, et... une crevette, même. Paupiette. Une crêpe suzette, je dirais, même. Et si t'arrives quelque chose au milieu de nulle part, toute seule, comment tu vas faire? Eh ben, t'as ramené des bricoles, hein. Et je te raconte même pas comment tu vas réparer. Et puis, si on te vole? Arriver à l'heure chez mes clients, respecter ma RSE, conduire mon camion, c'est pas la portée de toutes les filles, hein. Sauf que moi, je sais qui je suis et de quoi je suis capable. Bah non, t'es une fille. Et toi, t'es un vieux mec. Alors là, ils m'ont convaincu de continuer. Pas pour relever un stupide défi de Gamacho, car elle n'a pas prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ce n'est pas une discussion de routier sympa à routière que nous avons eue là. Mais une leçon de gars, de vrai routier avec des gros bras musclés donnée à une femme au volant d'un camion qui ne sait pas ce qu'elle fait. Alors voici tous ces clichés débiles qu'on nous donne à nous les femmes. Mais c'est un trop petit camion, pas du tout fait pour faire de la longue. Et lorsqu'on réussit, le discours change. Tu as réussi à faire ce transport car tu avais un petit camion facile à manœuvrer. Un transport en camion supposerait-il qu'on ait le bon camion? Un bon gros torpedo, bien carrossé, avec un confort incroyable. Un BTS en mécanique? Un homme fort au volant. Alors si je les écoute tous ces ans, je passe à côté du plus beau métier du monde. Alors oui, le convoi exceptionnel, c'est bien pour moi car je suis une femme exceptionnelle. Le convoi exceptionnel, c'est bien pour elle car c'est une femme exceptionnelle. Bravo au groupe 79 de l'Aftral I2N Arras.